Cette vidéo est dédiée pour le mérite de Elia, Lévi Yitzhak, Hillel Avraham, Yosef et Léa Dvora Akal. Que vous puissiez donner beaucoup de nachat au Rabbi et à vos parents. Dans cette vidéo, nous allons te demander pourquoi les pièces ont-elles brillé? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Vendredi, nous serons le Chav Dalet Tevet, le jour de la Histalkout du Admour Hazaken. En l'honneur de cette date spéciale, j'aimerais vous raconter une histoire sur le Admour Hazaken. Regarde, voici la maison de Reb Gabriel Nosechen et sa femme Chana Rivka. Ils font tellement de tzedaka. Je ne pense pas qu'il y ait une personne à Vitebsk qui ne les connaisse pas. Quelques années auparavant, l'Admour Hazaken demande un don pour libérer un prisonnier. Si seulement j'avais de l'argent et que nous pouvions aider comme nous le faisions dans le passé. N'as-tu pas dit que le Rabbi précise l'importance de la Emouna et la confiance en Hachem? Il est certain qu'Hachem nous aidera et nous pourrons donner la tzedaka que le Rabbi demande. Chana Rivka est allée dans le magasin de gages avec les perles et les bijoux qu'elle avait et elle les a échangés contre de l'argent. Ensuite, elle a pris les pièces qu'elle avait reçues et allait les frotter et les laver jusqu'à ce qu'elles brillent magnifiquement bien. Après, elle a emballé les pièces dans du papier, les a données à son mari pour qu'il donne au Admour Hazaken. Reb Gabriel a tout de suite voyagé chez l'Admour Hazaken. Lorsqu'il est arrivé, il a posé la bourse sur la table. L'Admour Hazaken a demandé à Reb Gabriel d'ouvrir la bourse. Il a ouvert et les pièces ont brillé d'une lumière précieuse. Lorsque les Juifs ont donné de l'argent pour la construction du Mishkan, les femmes ont frotté et fait briller leur miroir de bronze qui brillait beaucoup plus que l'argent et que l'or. Ces pièces aussi brillent. Dis-moi, Reb Gabriel, où les as-tu trouvées? Rabbi, notre vie est très difficile du point de vue économique. Comme j'ai dit à ma femme, nous n'avons pas d'argent à donner au Rabbi. Elle est donc allée et a échangé ses bijoux pour que nous puissions participer à cette mitzvah. Bienvenue. Comment était le voyage? Baruch Hashem. Le Rabbi nous a donné des brachot pour des enfants, pour la parnassa et pour une longue vie. Ensuite, le Rabbi m'a dit de changer de travail et de m'occuper de diamants et de pierres précieuses. D'après les conseils du Rabbi, Reb Gabriel a commencé à s'occuper de diamants et de pierres précieuses. Peu de temps après, ils ont eu des enfants et les deux ont eu une longue vie. Reb Gabriel a vécu jusqu'à 110 ans et sa femme, Chana Rivka, a vécu encore 2 ans après lui. Aussi gehorvet betilcho begufo, a freiden und eisleiten de mare von der zadel matbeya, a zi soll werden, die matbeya soll werden, sapir um meneise zu meie. Wo der Pharam hat gebracht, hat er die matbeya zu dem alten Reben, hat er gleich der Sehn, de tilcho begufo, und dabei eche die Kavone, was sie dabei gehabt, und dem Chais, und die Stadlos, und die Gier. Cette histoire nous apprend que lorsque nous ajoutons de la chayout et de l'enthousiasme dans nos bonnes actions, leur impact est beaucoup plus grand et la récompense est encore plus grande. La question de cette vidéo est: pourquoi les pièces ont-elles brillé? Dans la vidéo numéro 169, la question était: quelle partie du Nigoun à Nerot Alalou avons-nous le droit de chanter pendant Shabbat? La bonne réponse est: à partir des mots de Al-Nisecha. Le gagnant de cette vidéo est Yosef Yitzhak Schulzki de Paris. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse par WhatsApp ou sur monrabbi.org. Mazal Tov et joyeux anniversaire à Schneur Zalman Altabé de Créteil. Nous te souhaitons une année pleine de réussite, des gashmiout et des ruchniout,
Que tu puisses être un soldat fier de Tzivot Hashem en donnant beaucoup de nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.